test bike pour le passage au banc de nos grosseurs. Aujourd'hui, la CB1300, la Bandit et la XJR1300. Alors Renaud, qu'est-ce que l'on remarque sur les courbes de passage au banc? On voit nettement le Bandit qui se démarque des autres machines avec une valeur de couple bien supérieure dès les bas régimes et très linéaire, ainsi qu'une valeur de puissance supérieure aux deux autres machines. Nous avons ici les valeurs donc, de 110 chevaux donc, au vilebrequin et 11,2 mètres-kilos de couple. Ensuite, nous pouvons voir donc en bleu la courbe bleue qui représente donc la Yamaha XJR avec une courbe sensiblement moins importante au niveau du couple mais quand même raisonnable avec 11,2 mètres-kilos en valeur maximale et donc 106 chevaux en valeur de puissance. Et en dernier, on a donc le CB1300 qui est un petit peu à la traîne avec une valeur de couple qui n'est pas du tout linéaire, une valeur de puissance qui est à la traîne aussi par rapport aux deux autres. Ok, comment on peut expliquer que la CB1300 soit inférieure aux autres à ce niveau-là? Peut-être des questions de bridage pour des questions d'homologation, je pense. Ok, donc on va vérifier maintenant tout ça sur le terrain. Merci Renaud. Mais de rien.